Aujourd'hui, nous partons dans la forêt. Venez avec moi. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Loup, y es-tu? Que fais-tu? M'entends-tu? Je mets ma chemise. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Loup, y es-tu? Que fais-tu? M'entends-tu? Je mets ma culotte. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Loup, y es-tu? Que fais-tu? M'entends-tu? Je mets mes bottes. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Loup, y es-tu? M'entends-tu? Que fais-tu? Je prends mon fusil et j'arrive. Oh! Le loup est revenu. Ce soir, Monsieur Lapin a peur d'aller se coucher. Il vient de lire dans son journal une nouvelle terrifiante. Le loup est revenu. Monsieur Lapin se précipite pour fermer la porte à double tour. Quand soudain... Oh ! Mon Dieu ! C'est le loup ! Ouvre ! Ouvre vite, dépêche-toi ! C'est nous, les trois petits cochons, s'il te plaît, Monsieur Lapin. Laisse-nous entrer. Nous avons terriblement peur. Le loup est revenu. Entrez, mes amis, entrez, leur dit Monsieur Lapin soulagé. À peine la porte est-elle refermée que soudain... Oh, aïe, aïe, aïe! Voici le loup! C'est moi, Madame Chèvre, avec mes sept petits chevreaux. Nous venons nous réfugier chez toi. Connais-tu l'affreuse nouvelle? Le loup est revenu. Entre, ma bonne amie, entre avec tes petits, répond Monsieur Lapin soulagé. Toute la famille s'installe et soudain... Est-ce le loup qui frappe? De la sorte ? C'est moi, petit agneau. J'étais en bas près du ruisseau, mais je ne peux pas rentrer chez moi. Le loup est revenu. Entre vite, petit agneau, lui dit Monsieur Lapin. Viens vite te réchauffer. Petit agneau s'installe près du feu. Mais soudain... Cette fois-ci... C'est sûrement le loup. C'est moi, Pierre. J'ai désobéi à grand-père. Je vais chasser le loup. Vous savez, il est revenu. L'avez-vous vu? Est-ce qu'il est chez vous? Non, 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 répond Monsieur Lapin. Et nous espérons bien ne jamais le voir. Mais entre donc, Pierre. Sois le bienvenu. Petit Pierre se joint aux autres et soudain... C'est peut-être le loup, dit Pierre avec enthousiasme. C'est moi, petit chaperon rouge. Ouvre vite, mère grand. Je t'apporte des galettes et un petit pot de beurre. Tu te trompes de maison, petit chaperon rouge, lui dit Monsieur Lapin. Ta grand-mère a déménagé. Mais entre vite, il ne faut surtout pas rester te promener dans le bois. Le loup est revenu. Et si nous en profitions pour dîner ? Propose alors Monsieur Lapin. Tous trouvent l'idée excellente. Et très vite,
un délicieux repas est préparé. Les amis se mettent à table. Quand soudain, tiens, dit Monsieur Lapin, l'air étonné, nous n'attendons plus personne. C'est le loup. Il a très faim. Mais à peine le loup a-t-il fait un pas que lapin, cochon, chèvre, chevreau, agneau, pierre et chaperon rouge se jettent sur lui. Le loup est à terre. Monsieur Lapin prend la parole. Loup, nous n'avons plus peur de toi. Mets-toi bien ça dans la tête. Puis, il ajoute. Mais si tu promets d'être gentil et de nous raconter des histoires de loups qui font peur, alors nous t'invitons à dîner avec nous. Et c'est ainsi que ce soir, autour d'une table bien garnie chez Monsieur Lapin, le loup est revenu. Dans sa maison, un grand cerf regardait par la fenêtre un lapin venir à lui et frapper chez lui. « Cerf, cerf, ouvre-moi ou le chasseur me tuera. Lapin, lapin, entre et viens me serrer la main. » Dans sa maison, un grand cerf regardait par la fenêtre un lapin venir à lui et frapper chez lui. « Cerf, cerf, ouvre-moi ou le chasseur me tuera. Lapin, lapin, entre et viens me serrer la main. » Un peu perdu. Est-ce que ça va ? Demande l'écureuil. Je suis perdu, dit bébé chouette. Où est ma maman ? Ne t'inquiète pas, bonhomme, on va la retrouver. Elle est comment, ta maman ? Ma maman, elle est très très grande. Grande comme ça, dit bébé chouette. Ok, ok, je vois, s'exclame écureuil. Suis-moi. La voilà, ta maman. Non, dit bébé chouette. Ce n'est pas ma maman. Ma maman, elle a des oreilles pointues, comme ça. Ok, je vois, s'exclame écureuil. Suis-moi. La voilà, ta maman. Non, non, dit bébé chouette, c'était pas ma maman. Ma maman, elle a les yeux immenses, des grands yeux comme ça. Ok, je vois, s'exclame écureuil. Suis-moi. La voilà. Elle est là, ta maman. Non, dit bébé chouette, c'est toujours pas ma maman. Attendez une seconde, dit Grenouille. Je la connais, ta maman. Ouah. Suis-moi, elle te cherche partout. Est-ce que c'est elle, ta maman? Oui, la voilà, elle est là, ma maman, maman, maman. Oh, merci beaucoup, dit maman chouette. Voulez-vous monter dans notre nid manger quelques biscuits? Volontiers, répond écureuil, nous raffolons des biscuits. À bientôt.
Et pourquoi? Ce matin, le petit chaperon rouge se rend chez sa mère grand. Quand tout à coup, un grand méchant loup lui tombe dessus. Ah, je vais te manger! Et pourquoi? Comment ça, pourquoi? Parce que j'ai faim, tiens! Et pourquoi? Parce que je ne me suis rien mis sous la dent depuis des jours et des nuits. Et pourquoi? Parce que je ne peux plus chasser tranquillement. Et pourquoi? Parce que je dois me cacher tout le temps. Et pourquoi? Parce qu'un chasseur est à mes trousses. Et pourquoi? Pour me faire la peau. Et pourquoi? Pour la vendre à un marchand. Et pourquoi? Pour en faire un manteau de fourrure. Et pourquoi? Parce que, dit le loup qui, à bout de patience, mange le petit chaperon rouge d'un coup. Maintenant, je vais faire une petite sieste. Et pourquoi? Oh non! Tu ne vas pas recommencer? Et pourquoi? Est-ce que tu vas arrêter? Je n'en peux plus! Et pourquoi? Si c'est comme ça, je vais chez le chasseur. Et pourquoi? Pour lui prendre son couteau. Et pourquoi? Pour m'ouvrir le ventre. Mais cette fois-ci, à sa grande surprise, le loup n'a pas le temps de répondre. Je me demande pourquoi il a fait ça, se dit le chasseur. Moi, je sais pourquoi, dit le petit chaperon rouge en sortant du ventre du loup. Deux petits bonhommes s'en vont dans les bois pour y cueillir des pommes et puis des noix, des champignons et des marrons. Et il rentre à la maison. Deux petits bonhommes s'en vont dans les bois pour y cueillir des pommes et puis des noix, des champignons et des marrons. Et il rentre à la maison. On le fait tous ensemble? Deux petits bonhommes s'en vont dans les bois pour y cueillir des pommes et puis des noix, des champignons et des marrons. Et il rentre à la maison. Deux petits bonhommes s'en vont dans les bois pour y cueillir des pommes et puis des noix, des champignons et des marrons. Et il rentre à la maison. Au revoir.